venir voir 2 minutes, c'est urgent. 2 minutes, Annie, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Alex est encore servi dans les stocks? Non, c'est pas ça. Je viens de faire les stocks et si on continue à faire un repas par jour, on en a encore pour une petite année? Seulement? Je vois qu'une seule solution, on mangera un jour sur deux. T'es sûre, Jean? Regarde-nous. Et puis, maman, je pense que vraiment, pour s'en remettre, elle a besoin de manger. Ouais. Mais c'est pas le plus préoccupant. L'ampoule, c'est notre dernière. Hein? Mais c'est pas possible. Il y avait un carton complet. Oui, un carton que tu as fait tomber. Sortez de chez moi! S'il vous plaît! Dégage d'ici! Je vous en conjure, laissez-moi entrer! C'est invivable dehors! Moi et ma famille, il y a de la place pour tout le monde ici! Mais je m'en bats les couilles que vous crevez dehors! Dégage d'ici! Ah, ce connard! Passe-moi ça que je lui règle son compte! De quoi? Tu ne vas quand même pas. Attention derrière toi! Ah! Putain, ce bâtard a pété une partie des stocks! Je suis désolée, chérie. Oh, tout est de ma faute! Alors vous le saviez? Depuis le départ, vous savez ce qu'elle a et vous n'avez rien dit? Bande de sales morveux ingrats! On se décarcasse et voilà le résultat! Hein? Dis-moi, toi! Non, l'ampoule, c'était notre dernière! Comment on va faire? Ouais. Attends, tu veux dire que c'est une forme grave de coqueluche, donc qu'en plus de pas pouvoir la soigner, elle risque tous de nous contaminer? Oui, malheureusement, en la gardant ici, soit on est déjà condamné, soit on va l'être. Attends, mais tu t'entends? Mais vous êtes prêt à acheter maman dehors? Non, mais toi, Eric, ça m'étonne pas. Mais Alex, tu vaux mieux que ça, quand même. Ça me désole. Non, mais vaut mieux mourir que de vivre avec une mentalité pareille. Ça t'étonne pas, mais enfin, tu crois que ça me fait plaisir de faire ce que j'ai fait?
J'aurais dû vous laisser cramer dehors, c'est pas ça? Peut-être. Non mais franchement... Mais c'est des faits... Mais, non mais franchement... Non mais je sais pas, y'a pas moyen de la mettre en quarantaine, de toute façon ça se trouve, on l'a... Mais enfin... Non! Non, Élise! Non! Pas ça!